Salut Séverine. Bonjour Pierre. Bonjour à toutes et à tous. Voici Disney Parade depuis le Lucky Nugget Saloon ici à Disneyland Paris. Cette musique me rappelle quelque chose, mais ça doit te rappeler une musique des Aristochats. Voilà. Tout le monde veut devenir un cat. C'est le Dixieland Land qui joue. Tout le monde veut devenir un cat. Raconte-nous en deux mots, en trois mots, allez, l'histoire des Aristochats, Séverine. Eh bien, c'est l'histoire d'une riche veuve, oui. Madame de bonne famille, oui. Qui décide de léguer toute sa fortune à ses chats. Bien. Alors, il y a Duchesse et ses petits chatons, Marie, Toulouse et Berlioz. Et Berlioz. Seulement, il y a un problème. Lequel ? Eh bien, si les chats disparaissent, c'est Edgar, le majordome, qui hérite de la fortune. Oh là là, alors j'ai l'impression qu'il a envie qu'il disparaisse un peu plus tôt que prévu, c'est exactement. Ça ? Exactement. Est-ce que ça va bien se passer ? Sans doute, il vous suffira de revoir avec plaisir ce grand chef-d'œuvre de Walt Disney. Quant à nous, accompagnés par le Dixieland Man, on va simplement marquer une courte pause et se retrouver tout de suite après pour la suite de Disney Parade. A tout de suite. Le grand rendez-vous de cet après-midi, Disney Parade, avec une série de qualité TF1 Disney, dont Séverine, maintenant, elle seule, va vous parler. En effet, vous avez pu découvrir il y a quelques temps un formidable duo de choc. Il s'agit de Rip, un adolescent de 13 ans, qui pendant une convalescence de 2 ans a lu un maximum de romans policiers. Il s'est ainsi doté d'un remarquable talent de détective. Seulement voilà, qui pourrait croire un adolescent dans ce domaine ? Eh bien pas grand monde. C'est pourquoi il a fait appel à Grant, un comédien un petit peu sur la touche mais très attachant, qui va l'aider dans toutes ses poursuites. Eh bien voilà, elle a pratiquement tout raconté. Le plus sage maintenant est de vous installer confortablement et de regarder ce film qui s'appelle... Un vrai petit génie. Un vrai petit... Pablo, Rip et Grant s'en sont plutôt bien sortis et on les retrouvera la semaine prochaine. Mais c'est pas notre seul rendez-vous pour la semaine prochaine, Jean-Pierre. Oui, on n'est pas fâchés du tout, on est simplement un peu distants, comme vous avez pu le constater pour cette séquence, parce qu'on n'est pas du tout d'accord sur le film que nous venons de voir. Mais je pense que ça va s'arranger. Non, ça n'est pas le seul rendez-vous de la semaine prochaine. Sachez que, par exemple, samedi, vous avez rendez-vous samedi matin sur TF1 pour samedi. Et vous, avec Stéphane, Antoine et une super amie de choc qui s'appelle Madeleine, il y a aussi Séverine, à toi, d'autres rendez-vous ? Eh bien, le Disney Club avec Fred, Greg et Julie. Oui. Et puis ? Et puis le Disney Parade avec deux présentateurs qui sont côte à côte, sauf dans des cas désespérés, comme celui que nous vivons maintenant ensemble. Il s'agit de Séverine et de votre serviteur Jean-Pierre. Nous allons jeter un petit coup d'œil sur quelques-unes de ces images et nous retrouver tout de suite après, ici. Je m'y plaisais bien, moi. Mais moi aussi, d'autant que le show n'a pas encore commencé, mais on va peut-être rester pour le voir. Hein ? Oui, j'espère. Bien entendu, avec les danseuses du cabaret et l'orchestre que vous avez entendu en début d'émission. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne semaine et soirée, bien entendu, et vous donner rendez-vous à dimanche prochain. À dimanche. Au revoir.